Bonjour et bienvenue chez Darna Shop. La vidéo du jour sera consacrée à la marque de charbon Tom et à la présentation de ses différents produits. La marque Tom, c'est tout simplement le numéro 1 de la fabrication de charbon naturel pour chicha. Depuis près de 25 ans, Tom s'est spécialisé dans la fabrication de charbon à base de cosse de noix de coco compactée. Ces charbons sont utilisés partout dans le monde par les fumeurs de chicha, mais aussi par les utilisateurs de barbecue. L'avantage de ce type de charbon est double. D'une part, un coût relativement faible, car le charbon de coco est bon marché, et d'autre part, c'est un produit écologique, puisqu'il s'agit d'une matière renouvelable qui n'épuise pas les ressources naturelles. Aucun arbre n'est abattu pour fabriquer ce charbon, contrairement par exemple au charbon de bois. Précisons que, bien sûr, utiliser un charbon à base d'écorce de noix de coco ne veut en aucun cas dire qu'il va sentir la noix de coco ou que votre chicha aura le goût de la noix de coco. Le fait qu'on utilise l'écorce de la noix pour fabriquer ce charbon ne veut pas dire qu'il est parfumé. Mais alors, quelles sont les différences entre toutes les sortes de charbon existantes ? Les charbons peuvent différer bien entendu selon leur forme, leur taille, mais aussi selon leur taux de carbone. Le taux de carbone, c'est ce qui indique le degré de pureté d'un charbon. Plus ce taux est élevé, plus le charbon contient de matière combustible, plus il possède un pouvoir de chauffe important, plus il va durer dans le temps et également plus il sera cher. En outre, plus ce taux est élevé et moins le charbon contient de matière non combustible, c'est-à-dire de cendres. Le contresens qui est souvent commis s'agissant du charbon, c'est de penser que le meilleur charbon, c'est le charbon qui chauffe le plus. Or, ce n'est pas de cette manière qu'il faut envisager le choix de votre charbon. Choisir son charbon pour un fumeur de chicha, c'est un petit peu comme sélectionner la température du four pour un cuisinier. Il ne s'agira bien sûr pas de mettre la température à fond, quel que soit le plat que l'on prépare. Et bien pour la chicha, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas nécessairement chauffer à fond, mais il faut adapter la puissance de chauffe à la configuration utilisée. Je vais donc vous présenter l'ensemble des charbons de la gamme Tom et vous expliquer à quel usage chaque variété est destinée. Premier focus, le Tom Coco Chavert. Ces charbons existent en conditionnement de 1 kg ou de 3 kg. Et ce sont les seuls de la marque à être fabriqués en Thaïlande. Le Tom vert se présente sous la forme d'un cube de 2,5 cm de côté, la forme la plus classique. C'est le charbon le moins raffiné de la marque. Il contient 75% de carbone et c'est donc le moins puissant. Le prix à l'achat sera logiquement le moins élevé. Son pouvoir de chauffe est cependant largement suffisant pour fumer au charbon naturel sur aluminium. Il offrira une bonne longueur de combustion sans pour autant brûler votre tabac. C'est le charbon parfait pour ceux qui veulent fumer à l'ancienne avec une utilisation par paire sur la plupart des foyers. Parlons maintenant des charbons Tom Coco Chat bleu, jaune et rouge. Ces charbons sont à mettre sur le même plan car ils correspondent tous à une même qualité de fabrication. Ils sont tous les trois composés à 80% de carbone. C'est ce qu'on pourrait considérer comme la qualité standard, ce qui va correspondre par exemple dans d'autres marques à un charbon comme le Coco Brico. Ce qui va distinguer les bleus, jaunes et rouges, ce sera donc non pas leur propriété physique, mais bien leur coupe. Le Tom bleu est ce qu'on appelle un flat, c'est-à-dire un demi-cube, et il est vendu en paquets de 1 kg et de 3 kg. Ses dimensions sont 2,5 cm par 2,5 cm par 1,5. Les flats peuvent être utilisés de deux manières, soit sur aluminium en l'utilisant par 3 pièces, pour répartir harmonieusement la chauffe, soit en système de chauffe de type Kaloud pour combler l'espace en complément de deux cubes standards. Le Tom jaune est lui un cube régulier de 2,5 cm de côté qui est vendu en conditionnement de 1 et 3 kg. C'est un charbon polyvalent de par sa forme cubique ainsi que par sa puissance de chauffe qui est standard. C'est un charbon un petit peu couteau suisse qui peut être utilisé sur tout type de configuration. Le Tom rouge enfin, c'est un charbon coupé en grosses briquettes de 4 par 3 par 2,5 cm. Son usage est majoritairement destiné aux bars et aux restaurants. C'est pourquoi il n'est vendu qu'en paquets de 3 et de 10 kg. Le Tom rouge est destiné à être cassé en petits bouts pour les préparations utilisant de petites braises. Ce type d'utilisation est vraiment réservé aux experts qui sauront gérer ce mode de chauffe très particulier. Troisième catégorie dans la gamme Tom, les charbons premium dont le taux de carbone s'élève à 85%, à savoir les Tom Gold et les Tom Silver. Là encore, ces deux charbons sont de même nature, c'est leur coupe qui va les distinguer. Le Tom Silver se présente sous la forme d'un disque de 48 mm de diamètre et de 22 mm d'épaisseur. Il est coupé en 4 morceaux. Le Silver a été spécialement pensé pour être utilisé avec un système de chauffe fermé de type Kaloud Lotus. Vous pouvez d'ailleurs visionner sur notre chaîne une vidéo test de ces charbons de grande qualité. Les Tom Gold, quant à eux, sont sans doute les plus vendus en France parce que ce sont des charbons puissants et polyvalents, destinés à être utilisés sur tout type de système de chauffe. Kaloud, bien entendu, mais aussi cheminée de type Broad, Volcan et tout ce qui s'y apparente. Ces charbons sont en revanche trop puissants pour être facilement utilisés sur aluminium. Les charbons Silver et Gold sont à recommander lorsque vous utilisez des systèmes de transfert de chaleur et que vous pratiquez une chauffe indirecte de votre tabac. Terminons le tour d'horizon des produits Tom avec le charbon Diamond. Véritablement réservé aux fumeurs les plus exigeants, le Tom Diamond est le plus cher des charbons de la marque. À 5 € les 500 grammes, ces cubes de 2,2 cm de côté sont 30% plus onéreux que le Gold et sont vendus uniquement en paquets d'une livre.
Ils sont réalisés avec la meilleure qualité de coque de coco et contiennent un taux de carbone très élevé, près de 88%. Ces charbons très haut de gamme sont à réserver aux fumeurs les plus avertis et les plus exigeants, qui ne supportent pas la moindre variation de sensation dans le comportement de leur charbon. Ces charbons d'exception peuvent être utilisés en paire sur aluminium, par 3 dans un caloud ou par 4 sur une cheminée. On comprendra donc ici qu'il n'y a pas un meilleur charbon dans l'absolu, mais différentes sortes de charbon avec des spécificités pour chaque usage et pour chaque profil de fumeur. Le charbon qui vous conviendra pour tel usage n'est pas forcément le même que celui qui plaît à vos amis. Souvenez-vous également que le charbon n'est qu'une source de chaleur. Ce n'est pas lui qui va faire que votre session sera réussie ou pas, mais bien votre talent à maîtriser la chauffe et à faire vivre votre tabac à la bonne température et sur la durée. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui s'extasient sur un gros nuage de fumée, mais apprenez à marier astucieusement quantité de fumée et saveur. Ne soyez pas déçus si vous achetez un charbon de qualité et que votre chicha ne donne pas le rendu que vous imaginiez. Il est normal de se tromper et on n'apprend pas à gérer en un jour la chauffe. La préparation, c'est un art difficile qui s'apprend sur la durée et il ne suffit pas d'acheter une casserole de compétition pour devenir un chef étoilé. Alors un conseil, soyez patient. En attendant, je vous laisse vous entraîner et réviser vos gammes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.